Retour, Arthur Rubinstein en Pologne. L'éminent pianiste Arthur Rubinstein est venu en Pologne le 28 mai 1975 pour participer à un concert solennel donné à la Philharmonie de Łódź à l'occasion du 60e anniversaire de sa fondation. Il sera accompagné par l'orchestre de cette philharmonie placé sous la direction de Henryk Tyz. C'est dans cette ville qu'il est né il y a 89 ans. Nous saluons le plus cordialement, maître, au nom de tout notre ensemble. Nous sommes très heureux de pouvoir vous accompagner et nous vous remercions de tout cœur pour avoir bien voulu accepter notre invitation. Bon, très bien. On va travailler. L'orchestre est bien, vraiment bien. Bon, ne faites pas tant d'histoires. Je voudrais jouer de mon mieux, tout simplement. Alors, on pourrait commencer par Chopin, je pense. Je crois que ce serait un peu symbolique. Évidemment, d'accord, on peut.
afraid you get a hollow sound in this hall when it's empty. You know, I really must have that thingamajig. It's terrible when my fingers slide around. Roman! How do you find the piano? Don't you find it's too weak? Je pense qu'il manque ici un peu d'énergie. Le thème doit être accentué, pas vrai? Ça ne peut pas sortir de derrière la porte. J'ai écrit un jour ceci, Karajan ne transpire jamais et Rubinstein également ne transpire pas. Aucune goutte de sueur ne perle, même lorsqu'il lui arrive de donner 3 ou 4 concerts dans la soirée, de travailler durement du point de vue physique et psychique. Et naturellement, ses mains sont absolument sèches. De ce fait, il leur manque le peu d'humidité nécessaire à une bonne adhérence des doigts aux touches du clavier. Il se sert alors d'un atomiseur, mais selon lui, ça ne l'aide pas beaucoup. À Barcelone, où nous trouvions un jour tous les deux, je lui ai dit « Maître, puisque le pupitre du piano est enlevé, on pourrait à l'endroit du petit renfoncement placer une éponge humide. Pendant les fragments où vous ne jouez pas, vous pourriez alors y poser les mains. » Et on a essayé. Madame Whitestone, de l'agence qui l'accompagnait alors dans ses tournées, a vite fait de trouver une éponge. Celle-ci, légèrement imbibée d'eau, fut placée au lieu indiqué. Pendant la répétition, au moment où on entamait un tout-tir, Rubinstein essaya de poser ses mains sur l'éponge. « Arrêtez !» cria-t-il, « c'est pas possible !»« De quoi j'ai l'air à me fourrer tout d'un coup dans le piano ? C'est absurde !» Cette solution rejetée, je m'excusais pour l'idée malencontreuse que j'avais eue. Rubinstein m'a alors répondu. Ça y est, j'ai trouvé, car il faut bien que je trouve quelque chose pour humecter mes doigts. Mais quoi donc ? Lui ai-je demandé. Pour toute réponse, il ajouta, vous allez voir. Le soir, nous sommes tous présents en concert, au début tout marche bien, Rubinstein avait au préalable humecté ses doigts, après la partie solo, on entame le second tutti. Du coin de l'œil, j'observe Rubinstein, la mine absorbée par l'écoute de l'orchestre. Il était très concentré et hop, ses doigts sont humectés. C'était simple, mais efficace. Je n'entends pas très bien. C'est très important. En douceur. Au piano, je jouerai de la sorte. Il me semble que c'est le do qui est le plus important. Thank you.
Najpierw podejść do tego, a to... I ostatnie nuty, jak gdyby raz, tak, przedostatnie tak więcej zakochany, tak, tak. Dwa takty przed 18. Już, już, dziękuję, już my... Nie, nie, dziękuję bardzo, już my. Proszę, dwa takty przed 18. Dwa takty przed 18. Drzewo i kwintet wyraźnie. Nie, nie. La, 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 a nie ta, da, 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 da. Proszę. Proszę, dwa przed 18. Ósemek, ty śpiesz, to proszę. Arthur Rubinstein sur la musique. Pierwszy koncert mego życia. Le premier concert de ma vie remonte à l'époque où j'avais 4 ans. C'était un concert que donnait un petit orchestre dirigé par un Hollandais appelé Kvask. Sous sa baguette, l'orchestre jouait la première suite de Grieg. Je suis devenu épris de cette musique, follement épris, au point de retenir tous les thèmes que je rejouais par cœur. Ma famille en était sidérée. Le chef d'orchestre invité chez nous m'écouta jouer. Ensuite, il m'a pris sur ses genoux et m'a offert du chocolat. C'était votre premier concert, vous avez joué alors? Ce n'était pas à proprement parler mon concert, car je ne faisais qu'assister à celui-ci. Je n'avais alors que 4 ans. Par la suite, on m'a emmené à un récital de Chlivinsky. Mais je n'ai pas compris, j'étais trop jeune. Je me rappelle seulement qu'il était très beau, grand, avec des moustaches un peu fantasques. Il saluait le public avec élégance, mais je n'ai pas compris sa musique. Maître, vous venez de mentionner Grieg, dont vous avez fait la connaissance, je crois. Je l'ai rencontré chez les Grossmann, qui donnaient souvent des soirées chez eux. Je me rappelle que la femme de Louis Grossmann, qui était très myope, avait placé son valet, qu'elle avait pris pour quelqu'un d'autre, aux côtés de la comtesse Wielopolska, comme dans une opérette. Il y avait un tas d'histoires très drôles qu'on se racontait. Il y avait une foule à cette soirée donnée en l'honneur de Mascagni et Grieg. Tous les deux dirigeaient une soirée à Varsovie à la même heure. Les Grossmann avaient alors invité à leur soirée la cantatrice Korolkiewicz et moi-même. Je devais avoir dans les 12-13 ans. Je me suis alors produit pour la première fois en public à Varsovie. Avec Młynarski, ce fut un peu plus tard, un an après l'inauguration des philharmonies. Au cours de cette soirée donc, j'ai joué au piano pour Mascagni et Grieg, et Korolkiewicz les a émus jusqu'aux larmes lorsqu'elle chanta de sa voix merveilleuse l'air de Halka. Et voilà nos deux types, Mascagni et Grieg, qui se mettent à chialer. Ils étaient tous les deux sentimentaux. Maître, isn't the light too strong? Is that going to hang here during the concert as well? It's our Jubilee celebration, Maître. The Philharmonie's 60th anniversary. That's the Philharmonie symbol, the Łódź National Philharmonie. 60 years serving concert, and that's the ceremony which you are honoring with your presence, Maître. Aren't those lamps troubling you too much? Chopin, please, let's begin Chopin. Thank you.
Kuczki. Tak, kuczki. Kuczki, tak. Tutaj, właśnie w tym miejscu, ja pamiętam doskonale. Świetnie, pamiętam. Où était cet appartement? Au premier, je me rappelle très bien la disposition des pièces. Une fois là-haut, je pourrais m'y reconnaître. Sauf que l'entrée se trouvait alors dans une sorte de triangle. À gauche, il y avait un petit salon étroit, mais long, où était installé le piano. Oui, c'est bien ça. Là se trouvait la pièce où mes frères prenaient des leçons, que donnait un instituteur qui avait des bottes qui puaient. Comme j'étais petit, et des bottes me puaient juste sous le nez quand je passais à côté. Je suis néanmoins ému de revoir ces lieux. Naturellement, tout est transformé, refait, renouvelé. Seule la disposition des pièces est restée. Plus loin se trouvait la cuisine, puis venait la pièce des filles, mes sœurs. La famille était nombreuse, n'est-ce pas? Nous étions sept, et à l'époque nous habitions tous là. C'est là qu'eut lieu aussi le mariage de ma sœur, c'était l'aînée, Landauova. Et aussi de la seconde. Puis mon père a fait faillite à la suite d'un incendie à la fabrique. Et c'est à partir de ce moment-là que la famille s'est éparpillée. Moi, plus tard, je suis parti pour Berlin, mais dans l'intervalle, je me suis trouvé jusqu'à l'âge de 10 ans à Varsovie, où je prenais des leçons chez le vieux Ruzhitsky. J'étais petit, mais je me le rappelle bien. À chaque fois que je me présentais chez lui, je devais remettre une enveloppe. Je ne savais pas qu'elle contenait de l'argent. Un jour, son fils Ludomir m'ouvre la porte. « Mon garçon, vous avez l'argent ?» Moi, je réponds non. « Alors, pas de leçon. » Et il me ferme la porte au nez. J'ai pleuré dans la cage d'escalier. J'avais 8 ans. Depuis, je n'ai jamais voulu le revoir et jouer ses œuvres. Dans l'ancien appartement de Rubinstein, habite aujourd'hui avec sa famille Małgorzata Kiełek, une jeune fille qui vient de terminer une école secondaire de musique dans la classe des altos. Pourquoi ne vous êtes-vous pas présentée à l'examen d'une école supérieure de musique? Depuis de nombreuses années déjà, je voulais étudier l'histoire de l'art. Et c'est dans cette direction que je suis allée. La musique pour moi était un hobby et je ne me voyais pas dans le rôle de virtuose ou de musicien consacrant toute sa vie à cette profession. Car c'est ce qu'il faut prévoir au moment d'entrer dans une école supérieure de musique. C'est une vocation et moi sans doute je n'aimais pas suffisamment la musique au point de m'y consacrer entièrement. Il faut alors jouer toute sa vie, améliorer sans cesse son métier. C'est une profession difficile.
Et là, c'est mauvais, c'est mon côté. Saviez-vous que dans cette maison avait habité Rubinstein? Avant l'annonce de sa visite, je ne le savais pas. Néanmoins, étant encore sur les bancs de l'école, j'avais lu une interview dans une coupure de presse de la revue Amérique que Rubinstein était né non loin du passage Geyer ou Meyer, et j'ai alors pensé que c'était pas loin de chez moi. Puis les années ont passé, et ce n'est que récemment que maman, en plaisantant, m'a dit que Rubinstein était venu chez nous. En fait, il s'agissait de journalistes qui ont annoncé l'événement. Ce qui était pour moi une surprise. Je pense que maintenant, lors de ses visites à Łódź, Rubinstein reviendra ici. Czwarta ćwiartka wolnik. Czwarta ćwiartka. Tak. Czwarta. Thank you.
Wednesday. C'est l'orchestre que je remercie. Arthur Rubinstein sur la littérature et la musique. Ce livre, je l'ai maudit. À ce propos, le pire, ça a été en Angleterre. Il y avait là-bas un certain Jonathan Kate. C'est une édition anglaise. Il s'est intéressé à son édition en Angleterre. Et ce monsieur, au moment de la parution du livre, m'avait prié de me présenter à sa librairie du Piccadilly à Londres. C'est une vieille librairie très connue, qui a deux étages. Et lorsque j'y passe, je ne manque pas d'y entrer pour acheter des livres. Et il me dit, alors voilà, asseyez-vous, vous allez signer votre livre. Je lui réponds, mais monsieur, je ne vends pas des livres dans la rue. C'est une honte, je suis pianiste. Ce livre, je l'écris, faites-en ce que vous voulez, mais ne demandez pas de vendre ma signature par-dessus le marché dans la rue. Il me dit, mais Dickens l'a bien fait pourtant. Je lui réponds, d'accord, mais Dickens ne jouait pas du piano. Les clarinettes, jouez-moi le do majeur. Les clarinettes, le do majeur. Wolniutko, szersze ósemki, proszę. Raz, dwa, trzy. Jeszcze pierwszy za wysoko. Le piano est toujours accordé un peu trop bas. No więc proszę tak zrobić, żeby to potem ja obrywam. J'ai mal aux yeux aujourd'hui. Baissez l'intensité de la lumière.
Et l'électricien, éteignez un peu de ce côté-ci. Oh, ne vous fatiguez pas, cet éclairage est peut-être nécessaire, je vais fermer les yeux. Non, c'est toujours ça. Albo pan jest kolega Richard jest bardzo koleżeński, to dziękuję, to. Już. Pardon, monsieur, et si on procédait séparément? Pas tout de suite. Arthur Rubinstein sur les Japonais et la musique. Une fois, j'ai enregistré des trios de Brahms et Schumann avec Schering et Fournier. Et cet enregistrement a reçu le premier prix de l'Académie japonaise. Lors d'un de mes anniversaires, RCA Victor m'avait offert un déjeuner grandiose avec un gâteau et un piano en chocolat et une foule de bonnes choses. J'ai reçu à cette occasion une lettre signée de Brahms et différents cadeaux. Et on m'a apporté aussi une sorte d'objet rond en métal avec au centre une matière verte qui ressemblait à du jade, mais ce n'en était pas, sur laquelle était gravé le profil de Wagner. On n'en connaissait pas l'origine et la raison. Il s'est avéré que c'était le prix de l'Académie japonaise pour les trios. J'ai dit alors qu'on aurait pu le partager en trois morceaux si cela avait été un fromage suisse, car en effet nous étions trois à l'enregistrement. Mais on me dit que c'était pour moi tout seul. Il restait à déchiffrer ce qui était écrit sur le prix. Axe, le pianiste, s'est marié peu de temps après à une japonaise qu'il avait connue chez Madame Fiałkowska.
Elle habitait chez Madame Fiałkowska. Je les ai donc invités à prendre le thé. Par jeu, j'ai demandé à l'épouse japonaise d'Ax de traduire en anglais ce qui était écrit sur le prix. Elle nous traduit donc pour les trios de Brahms et de Schumann, interprétés par Rubinstein et autres. Scandaleux. Pourvu que Schering et Fournier ne le sachent pas. Nous pouvons être tranquilles, car heureusement, ils ne savent pas lire le japonais. Arthur Rubinstein sur les femmes et la musique. J'avais une maîtresse, une chanteuse, qui avait une voix de mezzo-soprano merveilleuse. Elle chantait vraiment bien. Lors des déplacements, lorsque nous voyageons ensemble, j'ai essayé de compléter sa formation musicale. Je lui jouais donc au piano des chants de Schumann, de Schubert, des chants français et autres, et notamment de Ronald Kahn. Après chaque morceau, elle disait: je pensais l'avoir gagné à ma cause. Lorsque j'ai terminé, après 2 heures de piano, voilà qu'elle me dit: eh bien, c'est abandonné. N'étant ni un critique ni un théoricien de la musique, il m'est difficile de présenter en synthèse la grandeur de Rubinstein. Je voudrais simplement remarquer que l'on distingue un musicien d'un autre à son jeu, à sa manière d'interpréter une œuvre. Les gens, tout comme les calculatrices, sont en quelque sorte programmés du fait de leur tempérament, de leur subconscient, ou de leur conscience même. Quelques-uns seulement, parmi les musiciens les plus grands, ceux qui sont marqués par Apollon, ont la faculté d'embrasser l'ensemble de l'œuvre, d'en voir toute sa profondeur, sa complexité et aussi sa simplicité. Cet abord synthétique leur permet d'avoir une image particulière de l'œuvre dans ses moindres détails. Et c'est le cas de Rubinstein. Cela peut paraître une gageure, mais je dois dire que moi-même, les membres de l'orchestre de la Philharmonie de Łódź, d'autres orchestres polonais, qui ont pourtant si souvent interprété les œuvres de Chopin, nous avons tous eu le sentiment d'en découvrir, grâce à lui, de nouveaux fragments.
Mes premières impressions, eh bien, je dois dire que je suis terriblement fatigué. Il me semble qu'une fois rentré ce soir, je ne vais pas pouvoir ouvrir la bouche. La nuit dernière, par exemple, je n'ai pas pu dormir à cause des émotions, de la fatigue. J'ai reçu à Łódź un accueil merveilleux. On m'a couvert de fleurs. C'est à croire qu'on les a fait venir de toute la Pologne. C'est avec une grande cordialité que j'ai été reçu par le président de la ville, qui m'a offert la médaille de la ville de Łódź, une médaille commémorative de cette ville industrielle que je connais si bien. En un mot, je suis ému. Malheureusement, je ne fais que passer à Varsovie. Mais je reviendrai bientôt ici. J'ai eu toujours de la passion pour les Polonaises. Mais vous savez, maintenant, ce sont elles qui ont cessé d'en avoir pour moi. C'est pourtant le contraire que nous avons vu, ne serait-ce qu'ici, sur la place du marché. Bon, moi, vous savez, c'est loin. Heureusement que les yeux me sont restés pour les reluquer. Et cela est agréable. C'est incroyable, cette place est redevenue ce qu'elle était, tout comme lors de ma première visite à Varsovie. On dirait que depuis, il ne s'est rien passé ici. C'est effectivement incroyable. Je m'excuse auprès de tous ceux qui vont m'écouter et me regarder, mais ils vont entendre un vieux pianiste très fatigué, pliant sous le fardeau de tant d'honneurs reçus ici dans ce pays. Concert en fa mineur de Frédéric Chopin était exécuté par Artur Rubinstein, accompagné par l'orchestre de la Philharmonie de Łódź sous la direction de Henryk Czyż. Scénario et réalisation Krzysztof Rogulski. Image Włodzimierz Leśkiewicz, Cezary Makowski. Son Andrzej Niedzielski, montage Krystyna Sasin. Directeur de production Wojciech Banaś. Production Interpress Film.